Dernière news, mais pas n'importe lesquelles, on va parler de Battlefield 6. Oui, oui. Ça y est, ça s'approche, les amis. Regardez-moi ce tweet de Battlefield France. Préparez-vous pour nos annonces bientôt. Ouais, bah voilà. Allez, Battlefield. Et du coup, attendez, c'est pas tout. Il y a eu un long article de blog. Regardez. Battlefield. Donc, article officiel, écrit par Oscar Gabrielson, qui n'est autre que le général manager de la licence. Et alors, il a dit beaucoup de choses, je vous le traduis. En tout cas, les bonnes parties. Je sais que tout le monde veut plus de détails sur ce qui va arriver pour Battlefield cette année. Et je promets que nous avons beaucoup à vous montrer dans les mois à venir. Nous avons notre plus grande équipe sur un jeu Battlefield pour console et PC. Je peux vous le dire que c'est une étape audacieuse. Il contient tout ce que nous aimons dans Battlefield et le fait passer au niveau supérieur. Échelle épique, une guerre militaire totale, moments fous et inattendus, destruction qui change la donne, des batailles massives remplies de plus de joueurs et de chaos que jamais. Tous ont pris vie grâce à la puissance des consoles et des PC de nouvelle génération. Préparez-vous pour notre révélation bientôt. Boum. Alors, le fait qu'il précise console PC et console de nouvelle génération, est-ce que ça veut dire que le jeu sera 100% next-gen ? La logique voudrait quand même que ce soit cross-gen, hein. Franchement, hein, les jeux qui sortiront en fin d'année 2021, comme ce sera son cas, je serais surpris que ce soit pas cross-gen. Mais bon, c'est possible, hein. Il parle console next-gen. À suivre, pour plus de précision. Il a aussi évoqué autre chose. Oui, je vous avais dit en intro qu'il y avait un autre Battlefield, cette fois-ci prévu pour 2022, c'est un Battlefield mobile, voilà, qui sortira. Alors c'est une autre équipe de développement, c'est un projet séparé, hein, c'est pas Battlefield 6, etc. Et ce sera sur tablette et smartphone, donc en 2022. Bon, quand il dit on aura beaucoup de choses à vous annoncer bientôt, TM, smiley. C'est marrant de dire bientôt TM. Est-ce que TM, c'est trademark normalement? Mais c'est pas les seuls à dire bientôt. Le TM, c'est une petite blagounette interne? Ou c'est un petit teasing de TM, ce serait les initiales du... Bon, période de l'E3, mai-juin, pour des annonces. Eh ben écoutez, on sera au rendez-vous, vous comme moi, et je vous en parlerai évidemment sur la chaîne.